Dites-nous votre nom. The first time you came in contact with this movement. La première fois que vous êtes rentré en contact. And then the testimony of what God has done for you. Ce que l'Éternel a fait pour vous. The first testifier. Le premier témoignant. Hallelujah. Hallelujah. Son nom est la sœur Christy Uche. Et elle fait son culte au Dokui. Hallelujah. À Pigeon, au siège. Alléluia. Si elle se tient ici, c'est pour nous dire ce que le Dieu des élus a fait dans sa vie. Avant qu'elle ne se joigne à ce ministère, elle ne sait pas si elle doit le dire ou pas. Alléluia. Amen. Pas seulement cela, la pauvreté lui enseigna des leçons. Alléluia. Mais pour la gloire de Dieu, quand ils sont venus aux élus, l'Éternel les a permis de connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et aussi, clap unto God and appreciate him. Et aussi, non seulement par salvation elle, is the greatest mais miracle. Son mari, sa famille, l'Éternel leur a accordé aussi le salut. Et au fait, l'Éternel les a emmenés à avoir l'assurance de leur salut. Et la pauvreté pensait qu'ils pouvaient, je dirais, dominer sur leur vie à tout jamais ou tout pour toujours. Alléluia. À Dieu. Et quelque chose s'est déroulé en 2015. Le Dieu de miracles. Alléluia. C'était une croisade pareille à Yopougon. Yopougon, Abidjan. À Yopougon, à Abidjan. Quand ils ont fini, je dirais, la prédication, la croisade même. Okay, quand le pasteur a fini de donner sa prédication à la dernière prière, il a demandé aux élus d'imposer leurs mains sur la terre. Et il a maudit tous les démons qui étaient en train de troubler la vie des élus. Et il a commandé à ces démons-là de ne plus jamais troubler leur vie. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit que ça n'a pas dépassé peut-être 3 mois. Miracles ont commencé à se produire. Alléluia. Elle dit il y avait des miracles un peu partout dans sa vie. Et c'était tout soudainement. Et souvent, elle se posait la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui ne pouvait pas manger même 3 fois par jour. Quelqu'un qui ne pouvait même pas prendre soin de leurs enfants, de leur donner une éducation appropriée. Alléluia. Le degré du niveau de sa pauvreté l'empêchait même de pouvoir attacher un panier Target. Parce qu'elle ne sait même pas où on vend le panier Target pour aller l'acheter. Alléluia. Alléluia. Mais quand le Dieu de miracles est entré dans sa vie, les miracles ont commencé à se produire un peu partout. Et sa maison au village, thank you, Father. Il leur a pris seulement 3 mois pour achever la construction de cette maison. Et ils ont commencé à dire que mon mari s'est joint à nous. Amen. Amen. Et ses intentions étaient d'envoyer ses enfants à l'école à Ngbidi. Mais elle ne pouvait pas. Mais quand le Dieu de miracle est arrivé, 3 de ses enfants sont allés à l'école qui se trouve au Nigeria à Ngbidi. Et même Alléluia. Sa première fille est toujours dans l'établissement à Ngbidi jusqu'à présent. Et par la grâce de Dieu, et ces choses dont l'ennemi est assis là-dessus, l'Éternel les a combattues.
Elle est aujourd'hui propriétaire de terrain. Amen. Elle dit merci à l'Éternel parce que c'est beaucoup. Elle ne sait pas ce qui te trouble. Toi, tu es assis ici. Seulement mets ta confiance en ce Dieu des élus. Regarde le thème qui est tellement merveilleux. Le Dieu qui a le pouvoir de faire ceci ou cela. Il est venu achever tout problème de ta vie. Laissez-le voir à Dieu. Alléluia. Elle dit, il n'y a plus de temps, sinon, elle prie pour notre surintendant. Le ciel à la fin. Elle prie pour lui qu'aucun mal ne lui arrivera. Amen. Que l'Éternel est chosen. And those ones the new members that still join us, I wish us all, I pray for us all, heaven and blessed in Jesus' name. Elle souhaite à tout le monde, ces nouvelles personnes aujourd'hui, les élus de Dieu qui se sont joints aujourd'hui, le ciel et le paradis à la fin de nos vies. Let's clap unto God and appreciate Him. On acclame le Seigneur très fort et on l'apprécie pour ses merveilles. There are lots of things to draw from that testimony. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce témoignage. But then the crux of it is that the testimony happened the last time our GO visited Ivory Coast. Ce qui est intéressant dans ce témoignage est que cela est arrivé la dernière fois que notre surintendant a visité la Côte d'Ivoire. In the year 2015. En, je dirais 2015. She said the poverty was strong. Elle dit la pauvreté était tellement élevée dans sa vie. But today. Mais aujourd'hui. There is a migration from poverty to plenty. Je dirais l'immigration de la pauvreté. From begging to wealth. Elle est enterrée de sa vie. As our pastor prays today and tomorrow. Et quand notre surintendant priera aujourd'hui et demain. God will change your story. Dieu changera ton histoire. Clap unto God once again and appreciate Him. The next testifier. Le prochain témoignant. Alléluia. Amen. Mon. Comment on dit là? Je m'appelle Christana Alao. Christana Alao. 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 Christana Alao. Sorry. Mon numéro de portable 01 71 41 71 51. Mais comme depuis tout on sentait tous les petits, mais je n'ai pas encore compris, ils ont senti le son de Yoruba au Nigeria. Attends, elle prend un son pour remercier Dieu. Ok, she wants to use one song to praise the Lord. Mo fogo foko re, mo fogo foko re baba. Mo fogo foruko luwa. Mo fogo foko re. Mo fogo foko re baba. Mo fogo foruko oluwa. Amen. 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 Si Jésus parle de message, Jésus est grand. If she did not thank God, or she did not appreciate God for what he did in her life, that means she is very ungrateful. Parce que hier on t'a parlé devant beaucoup d'hommes, mais hier elle remercie Dieu. That's why she came here to appreciate God. Jésus né musulman. She was born. Ma maman c'est musulman. Après when she was born. Mon papa c'est musulman. Jésus marié musulman. Mais depuis mon commerce est gâté, quand commerce est gâté, je vois solution, il n'y en a pas. Avant cela même, il y a longtemps, les gens me parlaient que toi, tu es né musulman, mais ce n'est pas ton route, ce n'est pas musulman. Même si l'homme de Dieu m'a croisé sur la route, on me parlait même chose. And he told me the same thing. Mais je suis arrivé sans pétrole ici. But I came to this sans pétrole. C'est ça, commerce les gâtés.
That's how my business grows. C'est cette solution, il y en a pas. I look for solution everywhere, but I've not seen it. C'est ça, il a commencé à partir à l'église. That's why I started going to school. Il a promené à l'église. I went from church to church. Mais, but il y a pas solution. I didn't get the solution. Il y a un moment, les musulmans à Saint-Pétro, complet. On m'a lavé. On m'a appelé pour causer jusqu'à il a dit non. Mais les Yoruba qui sont musulmans à Saint-Pétro, on m'a lavé pour les mettre dans le climat musulman encore. Parce que il est baptisé. Quand il va à l'église, on m'a baptisé. Mais après, les musulmans m'ont appelé et tous pour faire asseoir, pour me laver encore à musulman. Mais il a fait, ça ne va pas. Il a fait prier à musulman. Il s'est senti un musulman, mais ça ne va pas. I can pray in, like Muslim, I can sing as Muslim, but what I'm doing, I know that nothing is working. C'est dans ça, je suis assis à la maison. That's how I started staying at home. Dans 5 mois comme ça. In 1 month it happened. C'est ça. Moi, mon fils, même que moi avec lui, on est ici. Il parle avec des églises tous. That are my son that I'm staying with him in this Sapeto. He is discussing something with choosing people. Mais il n'est pas écouté lui. But as my son told me we should go to choose, I did not listen to him. Bon, il y a un autre, c'est elle est Igbo, elle est là. Elle est au milieu de nous ici. Elle a fait sortir son enfant. She bring out her child. Parfois, de faire sortir, même elle m'a pas, elle me parle avec l'église, mais elle dit non, il ne fait pas l'église, c'est bon. Anytime she's talking about the Lord choosing, but I told her I don't want to go to church. Elle dit, mais c'est qui moi, tu n'es pas là. Faut venir, tu vas essayer, voir si c'est bon, si c'est pas bon. She said, the church that I'm talking about, please come and try it, you will see what I'm talking about. C'est ça, les sous, il a sorti son enfant, il est parti. That's how I follow her to the choosing. Donc, le jour là, il voit que, I saw that. Il est arrivé dans l'église là, il voit qu'il y a un monde d'église là, même jour même que Jésus est arrivé là-bas. The same day I entered the Lord choosing church, I started loving the church. Power. Même pour que tous les prêtres d'alors. Même comme on demande Jésus la première personne, parce que moi je suis parti regarder seulement. Il a accompagné son humain. I went to church just to follow them, to just please them. Il n'y a pas même dans mon cœur, même qu'il y a fait l'autre église encore. I didn't plan that after that I would go to another church. Jusqu'à on dit, oui, la première personne, l'homme qui est premier venu dans l'église, il faut présenter. Il n'est pas présenté. So they asked, if you are here for the first time, can you be on your feet so that we can know you? Avant de m'as procès encore, elle m'a appelé. So after that, the next Sunday, that evil woman called me again. Elle dit, tu as parti de m'as procès, non? She asked me, will you go to next Sunday service? Elle dit, elle est parti. I told her, yes, I will go. Elle m'a dit, c'est que ça dit, mardi, mercredi, c'est la prière, et puis vendredi, c'est veillé. She told me that Tuesday and Thursday it is their service and Friday it is starry night. Donc je suis parti. So I went. Mais depuis que je suis arrivé dans l'église Tuzi. But since I came to this church, the Lord Tuzi. Parce que si je dis couvrir ça là, je ne peux pas parler. Il y a un grand. If I say I will not talk about what God did, depuis je suis ungrateful. Depuis je suis arrivé Tuzi. Since I entered the Lord Tuzi. Il y a la paix. I have peace. Il y a la paix. I have peace. Tout ce qui m'a effrayé. Tout ce qui m'effrayait avant. What was fear for me before? Ça m'effraie plus. I don't have fear. C'est moi qui l'effraie maintenant. Thank you, Lord. Même c'est pas pousse. I am not making mouth. Si sorcière m'effrayait, il a effrayé. Aujourd'hui. Si sorcellerie m'a effrayé, il a effrayé aujourd'hui. Power. Tout mon commerce qui était gâté. Je prends crédit sous crédit. I was living in poverty. Depuis que je suis arrivé, tout ça. Since I came to the Lord Jesus.
Yes, I'm a broker, this is Ephra. I did 7 years. À Saint-Pétro ici. Here in Saint-Pétro. À Nigeria, devenu à France. Sept ans. Mais aujourd'hui, dans 3 mois, demandez les gens. Il faut en Nigeria. Comme vous y avez. Dieu a ouvert la route. Dieu a fait un miracle dans ma vie. Donc, il remercie tout le monde. Mon grand pasteur a fait tout le monde. Mon pasteur soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon pasteur, all the Jesus member, Evan Atlas. Amen. Sois béni. Let's clap unto God. Clap unto God for that wonderful testimony. Our sister by name, Sister Christiana Alohu. She was formerly of the other religion. She said that while in her former religion, she was told by people that she should become a Christian. Because of that, she visited several churches. But today her story has changed. Let's clap unto God once again and appreciate it. Before the next testifier, we want to use this opportunity on behalf of the General Overseer of the Lost Chosen Charismatic Revival Movement worldwide to welcome the President General of the Pastors Council of San Pedro Region. Lisa, wherever you are, we welcome you. On behalf of our pastor and all the other pastors that came from several churches to this very crusade, on behalf of our pastor, we welcome and assure you that the God of choosing will do you good today, tomorrow. Let's clap unto Jesus. Clap unto Jesus. You're welcome, sirs. The next testifier. Chosen, praise the Lord. Hallelujah. Chosen, praise the mighty Jesus. Hallelujah. My name is Brother Norbert Iwala. I am a chosen. I thank God for making me a chosen. Thank you, Lord. Thank you, Father. I live here in Côte d'Ivoire. I have my business in Côte d'Ivoire. Precisely, Anibelekru. But a time came, 2011, I went back to Nigeria. And that 2011, I became a chosen. With my family. And I become a moderator in our branch of choosing. Thank you, Father. But I stayed in Nigeria for 7 years. And the time came, we became lacking many things. And when I asked my children, because I left my business here in the hand of my
boys that we are serving me. Then at time there are no more bringing money to feed become problem for us there in Nigeria. Et un moment arrivé où ses apprentis ne lui envoyaient plus de l'argent. Donc pour manger même étant au Nigeria était devenu difficile. Then when I asked them what is happening, bring money for us, he said there is no money again in Côte d'Ivoire. Et quand il les appela pour leur demander mais qu'est-ce qui se passe, on menait quand même un peu d'argent, il lui répondra pour lui dire qu'il n'avait pas d'argent, que les affaires ne marchaient pas. Then I have to ask my pastor that I'm going to Côte d'Ivoire back to my business because we are suffering. Then when I came to Côte d'Ivoire, then my parking shop is empty. Even my magazine, they have wasted the money. Then I was in sorrow. Because there is cash even to buy. I was in terrible sorrow. But before I leave Nigeria to Côte d'Ivoire, you know, as I'm choosing our pastor, I've been praying for us for financial breakthroughs. Then, in Côte d'Ivoire, I call upon the God of choosing that he should bless me. Then, I had an encounter in the dream. That the angel of choosing. But this angel, you cannot see the limitation of his head. Then when I go before him, he gave me 20,000 naira. But as a chosen, I know what it means for the angel of choosing to give you money, even though it's 100 naira. Then I was very, very happy. That same week, I went to my business. And customers begin to come front, left, and back. Power. And Almighty God connected me to the people that gave me money. Thank you, Father. Then I stuck my business. I begin to do the business. But I want to tell you, under 1 year, the business I built under 1 year is like a business that was business in 10 years' time. Thank you, Father. Thank you, Lord. The God of the chosen. I myself, I was surprised. I was not struggling anymore in my business. My stock is full. My business, my shop is full. Then as I speak to you, the God of choosing has blessed me. Thank you, Father. Thank you, Lord. He has given me one day king here in Côte d'Ivoire. Thank you, Lord. He has given me one day king in Lagos, Nigeria. He has given me one day king in my village. Thank you, Lord. He has done great things for me. And many, many other testimonies, but I can give only this one. Choosing, praise the Lord. Hallelujah. I want to pray for my general overseer. I pray that Almighty God that has called him will continue to increase him, protect him, protect his family on daily basis in Jesus' name. Amen. I pray for choosing worldwide, heaven at last.
Amen. Let's clap unto God and appreciate Him for that testimony of restoration. Clap unto God once again and appreciate Him. He was down to the floor, but the God of choosing came to his rescue. After this testifier, we'll be taking our first offering in fellowship. And after that, we'll be taking the last testifier. And then it will be the time to usher our pastor to the pulpit. And the power of God will cause a change in your life. The second to the last testifier. Alléluia. Amen. Je m'appelle Sonerita. Je suis de Soubry. Moi, mon témoignage est depuis 2017. Her testimony is since 2017. Il a mis mon pied à élu de Dieu. She stepped her feet here in the Lord. On m'a invité, on est parti. She was invited and she went. Arrivé là-bas, on dit, on ne porte pas mèche, bout de lait, chienne, pantalon. And when she got there, they told her that they don't wear trousers, they don't also put attachment. Mais un jour, on m'a dit ça, arrivé à la maison. Il a dit à mes enfants que où je suis parti aujourd'hui là. En tout cas, la parole qui est sortie là-bas là, je vais écouter. So when she got home, she told her children where she went today, that the words they told her there, she wants to listen, she wants to hear. Avant ça même là, vraiment, pantalon, chaîne, bout de rayon, mèche, il était dedans, ma vie était difficile. So before she heard these words, she was busy in her trousers and her earrings, her chain, her bangles and everything, even attachment. Mais quand il a compris que tout ça là c'est pas bon, j'ai enlevé, ma vie était changée, la vie de mes enfants, tout, on était changé. When she was putting on all of these things, her life was really reduced to nothing. But after she decided to hear to the words that she heard from the church, her life began to change. Thank you, Lord. Avant mes enfants toujours c'est malade, toujours malade. Toujours. Chacun a trois caniers. Des filles, il y a mis mon pied ici là. Il n'y a pas canier chez moi. Before then, her children were always falling sick. They have their hospital card. Like each child was having about three cards like that. But since she came to this place, God of choosing put an end to her. Vraiment, les témoignages élus de Dieu là. Si tu es ici là, ta vie là c'est protégée. Testimony is coming from the Lord's choosing. If you are here, that means testimonies will be yours. Amen. Le 3 août, j'ai parti en blouse. She was going to the forest. À partir, il a pris taxi. So on her way going, she took a taxi. Arrivé sur la route, when she got on her way, taxi l'a décollé. So mais en partant maintenant, je ne sais pas, tes freins là qui est coupé, je ne sais pas. She was going as they were going in the taxi on their way going the taxi developed a fault. She doesn't know. Taxi la tout ça tout ça tout ça tout ça tout. Moi j'ai commencé à crier, j'ai dit Dieu désolé, Dieu désolé, aide-moi. So the taxi was just turning about. She wasn't really understanding what was happening, so she began to pray, God of choosing, help me, help me. Moi j'ai jamais vu taxi va tourner comme ça. On est parti sous qu'on a quitté ici comme. Où il y a la maison là-bas là. C'est là-bas, il y a un grand trou. Tassi là, tourné avec moi. On était deux dans Tassi là, moi et un chauffeur là. Tassi là, c'est là-bas, Tassi là, il est tombé à nous deux. So the taxi was just busy turning around. She really didn't understand what kind of a vehicle is turning around like this. But this taxi kept on turning. She was alone with the driver in the taxi. The taxi kept on turning around till there is a big pit. That was where the taxi went and ça fait que tous les taxis aux motos qui venaient là, tous ils sont gardés, ils sont là nous les garder. Où on s'en va maintenant là? Peut-être c'est la mort. Il dit non, Dieu désire là. All the motorcycles and every other machines that were on the way, every one of them stopped and cleared. And where they were really heading to, maybe it was death. She really didn't understand. Arrivé là-bas, voilà taxi qui est rentré dans le trou. Voilà moi, voilà chauffeur. And getting to that place, look at the taxi that got into the pit. But look at her, look at the driver.
Je suis sorti sans problème, je suis sorti sans. Il n'y a rien sur moi, tu n'es pas à voir. Thank you, Lord. T'as sur moi. Thank you, Father. Voilà moi. Il n'y a rien qui m'est arrivé, il n'y a rien qui est arrivé. Chauffeur. Thank vraiment, you, je suis passé pour dire merci à Dieu. That is why she is here. Si je ne suis pas dit merci à Dieu, c'est que je ne suis pas reconnaissant. If she doesn't really thank God, that means she's ungrateful. Vraiment, merci à mon pasteur Lazare Moka au paradis, mes enfants, tous tous au paradis, au nom de Jésus. And for all the chosen members having a class in Jesus' name. You did well coming to testify. Let's clap unto God and appreciate Him for that mighty transformation. No more worldliness. No more a life of sin. Deliverance from the jaws of death. Let's clap unto God and appreciate Him. Thank you, Father. At this time, we would like us to